c'est autorisé. Du DIMMAC ainsi que les techniques qui en découlent ne sont pas faites pour blesser mais plutôt pour aider les autres. Mais on peut aussi l'utiliser pour tuer. Les quatre DIMMAC peuvent être mortels, c'est la nature du ki. Le ki peut être utilisé dans la frappe de façon externe ou de façon interne. Si vous atteignez les organes internes, vous ferez beaucoup de dégâts, alors que le coup externe, lui, ne fait que les remuer un peu. Maintenant, une frappe interne. Maître, j'ai été très impressionné par le coup que vous avez porté à la pastèque. Pouvez-vous me l'enseigner? Pouvez-vous me donner une leçon? Maintenant, rassemblez votre ki et attaquez-moi. Pas besoin de cette affaire, toi, oui. Je te laisse 24 heures pour régler ce problème. Moi, je dois m'occuper de ma famille. Je te laisse. Ça va, mon ange? T'as pas encore fait les bagages? Non, parce que j'ai pas encore fini mon travail. Tu vas partir avec grand-père Georges, mais t'inquiète pas, chérie. J'arriverai un jour après toi. C'est promis. Juste un jour? C'est vrai qu'on va avoir des chevaux là-bas? Oui. On verra des chevaux. Et tu verras même celui de ta maman. Waouh, génial! Oui. Tes affaires sont prêtes? J'ai pas fini de préparer mon sac. Vas-y, mon ange. Au revoir, papa. J'apprécie que tu laisses Amanda venir avec nous. J'ai été absent si longtemps que j'ai l'impression de la connaître à peine. Très bien, alors écoute. J'ai perdu ma femme, elle a perdu sa mère. Si ce voyage peut l'aider... Si elle pouvait oublier tout ce qui a pu se passer, je crois que ça vaudrait le coup. T'inquiète pas, ça va aller. Amanda et moi, on voyage ce soir, et toi, tu nous rejoins demain. Ça laissera la chance à un vieil homme de passer du temps avec sa petite fille. Elle me rappelle tellement sa mère, c'est son portrait. Excuse-moi, je sais qu'elle te manque plus qu'à moi. Tu sais où nous joindre? Non, dis-moi, je vais le noter. Laisse, je vais le faire, j'irai plus vite. Oh zut, je suis désolé. Je sais que ça, tu ne le perdras pas. Si on commandait tout de suite, à mon avis, il faudra compter au moins une heure avant d'être servi. S'il vous plaît.
C'est autorisé. Jack. Rogers? Je suis le meilleur. Dis-moi, Rogers, j'ai pas besoin des faveurs du fisc. Vraiment pas, là. Je peux faire disparaître tous les impôts et taxes que tu dois. Tu sais que t'es en train de prendre un mauvais chemin. Vraiment, ça me gêne. Je suis désolé pour toi. Allez, sois sympa, Jack. Qu'est-ce que t'as à faire? Plus personne n'apprécie le génie, c'est terminé. Tu pourrais faire attention à moi. Mais je fais attention à toi. T'en es sûr? Peut-être pas, finalement. Porteur, s'il vous plaît. Dépêchons-nous, je suis mal garé. On a une limousine. J'ai encore quelques relations. Amanda! J'ai perdu mon passeport, viens avec moi, on va le chercher. Le coffre. Dernier appel pour le vol KL-9614. Ça y est, je l'ai! Tu l'as retrouvé, bravo! C'est bien, mon ange. Je vais le mettre dans cette poche et je vais bien la fermer. Allez, viens. Hé, Jack! Tiens, prends ça. Oh non, pas toi, Harry. Jack, mais qu'est-ce que tu fais dans le coin? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vis ici. Ah oui, tu vis ici? Ouais. Va dans la voiture, mon ange, j'arrive. Comment tu vas? On pourrait se boire un verre? À une prochaine fois, c'était un plaisir de te revoir. Jack! Hé, attends, Jack! Jack! Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai! Amanda? Viens par là! Viens par là! Amanda! Amanda! Thank you.
Vite, allez vite. Jack, que tu le veuilles ou non, je viens avec toi. On va choper cet enfoiré. J'espère que tu me caches rien. Les poursuivre. Qu'est-ce que je dois faire? On va les suivre. Faut pas rester là. Les flics vont sûrement débarquer. J'ai une maison où te planquer. D'accord, on y va. Tiens. Comme au bon vieux temps.
Harry. Ouais? Dis-moi où est ma fille. Tu penses que je le sais? C'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais résumer la situation. On s'était pas revus depuis environ 7 ou 8 ans. Et soudain, tu réapparais comme ça. Je suis à peine sorti de l'aéroport et c'est l'hécatombe. Il y a 4 ou 5 morts et ma fille se fait enlever. Alors devine à quoi je pense. Ouais, je sais ce que tu penses. T'as pas confiance en moi. Seulement, je sais pas quoi te dire, Jack. D'accord. On va suivre ton plan, comme d'habitude. Dans cette maison, tu es en sécurité. Je serai de retour dans moins d'une heure. On va la ramener, je te le promets. C'est à vous. Thank you.
Écoute-moi, Jack. Où est ma fille? Je crois qu'il voulait se servir d'elle pour récupérer ce que George t'a laissé. Dis-moi, Harry. Quoi? Explique-moi un peu. Comment tu sais qu'on m'a donné quelque chose? Bon, d'accord. Tu connais bien le programme de MK Ultra, je me trompe pas? Oui, je connais. Ils ont développé ce programme à un niveau qui les a dépassés. Ils en ont même peur. Et alors? C'est un virus. Il provoque toutes sortes de cancers chez les personnes qui y sont exposées. Les gens meurent dans les 6 mois à 1 an. Il est indétectable. Ce truc est monstrueux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? George avait la formule. Il l'a volée au département de recherche secrète. Il avait prévu de la vendre au plus offrant. Qui sont ces gars? Le FSB. Une nouvelle branche du KGB. Tu sais tout. Ils sont convaincus que t'as la formule, Jack. Ils garderont ta fille tant que tu leur donneras pas ce qu'ils veulent. Ouais, je vois, c'est clair maintenant. Tu crois qu'il serait possible que la CIA nous aide sur ce coup? Ouais. Ils veulent négocier. Bon alors d'accord, je te laisse 2 heures pour trouver ma fille. T'as entendu? Ouais. Tu as 2 heures. Harry, vous avez mauvaise mine. Oui, madame. Où est votre arme? Il me l'a prise. Nous voilà dans une situation délicate. Madame, je vous promets que nous allons les retrouver. Notre réseau de surveillance couvre toute la ville. Mais Harry, il va falloir nous aider. Avec quoi? Je vous l'ai dit, il ne sait rien. George n'a pas... Et vous croyez qu'on va avaler ça? J'en suis sûr, c'est la vérité. J'imagine qu'il a voulu les protéger. Vous connaissez George, il n'aurait pas mis en danger Jack et Amanda. Le George que j'ai connu n'aurait jamais pu trahir son équipe. Il n'aurait jamais... S'il tient tant à protéger sa famille, pourquoi la mettre en danger en venant ici? C'était pour Amanda, sa mère est née ici, c'est le 5e anniversaire de sa mort. Arrêtez, et... s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pour nous, Harry? Il me reste des choses à découvrir. Découvrir quoi? George savait très bien qu'il devait éviter de voyager avec quelque chose d'aussi important, il lui fallait un coursier. On pense que Jack lui a servi de coursier, c'est pour ça que tout le monde lui court après. Il y a des gens extrêmement nerveux dehors, madame. Non, sans déconner. Les armes bactériologiques, ça rend tout le monde nerveux. Il y a une petite fille de 8 ans qui a été enlevée. Si vous ne réglez pas cette histoire, si vous ne la retrouvez pas, je saurai qui appeler. Je ne vais pas attendre les bras croisés. Ne va pas nous attendre les bras croisés. C'est une des 500 plus grosses fortunes du pays. Il a arrêté l'espionnage. Il n'a aucune raison d'y revenir. Il se promène avec un flingue sur lui. C'est pas une attitude de chef d'entreprise. Les gens comme lui n'arrêtent jamais. Si je me souviens bien, on n'a jamais pu le contrôler. Ouais, moi aussi, je m'en souviens. Il a mis un souk qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il n'est pas du genre à se laisser faire. On verra bien. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour nous aujourd'hui. Écoutez, madame. J'ai rendez-vous avec Jack dans moins de 2 heures. Vous avez pris rendez-vous avec Jack? Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer sa fille. Et si Jack n'avait pas la formule? Je vous en tiendrai pour responsable. Toujours rien sur sa fille? Au moment de l'explosion, un taxi a enlevé la petite. Quelle explosion? C'était vous? Toute cette histoire me rend malade. Nous ne pouvions prendre aucun risque, madame l'ambassadeur. Nous la retrouverons. Vous feriez bien de la retrouver. Si Jack avait su qu'il avait quelque chose, il nous l'aurait donné immédiatement.
Et que pensez-vous de sa fille? C'est peut-être elle, le coursier. Bien, reprenons. On a enlevé votre fille. Et la CIA veut vous descendre. C'est cette femme qui a enlevé ma fille. Mais je crois que vous le savez déjà. Voici Anya. Entre, Anya. Viens. Elle est chauffeur de taxi. Et tous les chauffeurs de taxi de la ville travaillent pour la police. C'est comme si elle était de la maison, un bon élément. Et je vous assure qu'elle n'a pas enlevé votre fille. Excusez-moi, pourquoi on m'a convoqué? Je crois que vous commettez une énorme erreur. J'ai plus rien à vous dire. Vous vous tairez quand on vous le demandera. Hé hey. Harry, Schmidt et Chambers vont venir avec vous. Ouais. Eh bien, ne perdons pas de temps. Allons-y. Avec la mort de George, on pourrait quand même rattraper le coup. La clé, c'est sa petite fille. J'en suis sûr. Chewing-gum ? Alors, il paraît que c'est un expert en arts martiaux, une sorte de grand maître. J'ai suivi un entraînement de ce type quand j'étais dans l'armée. Ouais, c'est bien joli tous ces trucs d'arts martiaux, mais c'est bon pour le cinéma. Dans la vie, c'est pas pareil. Vous avez envie de vous battre avec lui? Non. Allez, on n'a pas le temps. Je veux juste discuter avec lui. Jack ? Jack ! Jack ? Jack ? Jack ! Jack ! C'est pas vrai, on peut pas compter sur lui. Jack ! Vous avez plutôt intérêt à ce qu'il soit là. Parce qu'on tient vraiment à lui parler. Salut Harry. Jack, mais où t'étais passé ? Je m'attendais pas à voir autant de monde, c'était entre toi et moi. Oui, alors ? Non, c'est rien Jack, on doit juste parler. C'est pour ça qu'on est là. On est venu pour vous aider. Alors voici la preuve. Désolé, Harry. Putain, t'es un homme
américain de s'installer. Non, attends, écoute. Il faut que tu m'aides absolument. On n'est pas en sécurité ici. J'ai les flics sur le dos. Mais Harry devait t'aider. Harry est mort. Je voudrais que tu la gardes seulement une journée et après je la reprends. D'accord. Je ferai attention à elle. Merci. Hé ! Viens par là ! Laissez-moi tranquille ! Ne touchez pas, non ! Oui, et puis après, hein ? Allez ! Tu connais personne ici. Tu sais même pas où elle est. Tu sais pas où est ton père, alors assieds-toi et reste tranquille. Vous savez où il est ? Non, je le sais pas. Mais je ferai tout pour retrouver ton père. Pourquoi vous m'avez kidnappé ? Non, non, je t'ai pas kidnappé. J'ai fait ça pour te sauver. Et qui, eux ? C'est ma famille. Ils sont où ? Ils ont été tués il y a 3 ans. Je travaillais en Angleterre, j'étais agent secret. J'ai eu la sottise de croire que je travaillais pour les bonnes personnes. Et je me suis aperçue que je m'étais trompée. Nous avons dû quitter la région et... je sais pas comment. Ces personnes ont enlevé mon mari et ma fille et... je les ai plus jamais revus. Leurs corps ont été retrouvés 1 an plus tard. Mais vous pensez toujours à votre famille? Il vous manque? Oui, énormément. Harry m'a parlé de ta maman. Je suis vraiment désolée. C'est gentil. Elle s'appelait comment ? Votre fille, c'était quoi son nom ? Elle s'appelait Maria. Mais c'est pas vrai. Monsieur ? Oui ? Ici Waters. C'est moi. Schmidt, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. Vous voulez dire que vous avez perdu Jack? Oui, je l'ai perdu. Vous avez la formule? Ni Jack ni la formule, on les a perdus. Nom d'un chien, Schmidt. Que s'est-il passé avec Harry? On a été au rendez-vous. Tout ce que je sais, c'est que Harry et Chambers sont morts. Tout a foiré, je sais pas. Où est Jack? Dans la nature. J'ai perdu sa trace. Vous allez revenir immédiatement et surtout ne parlez de ça à personne. Je vous attends, courriez-vous. D'accord. Bon, tu vas t'asseoir ici et tu vas m'attendre. Tu m'appelles s'il y a le moindre problème, d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi tous ces gens veulent nous faire du mal? George a donné à ton père un objet qui intéresse beaucoup de monde. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. Et si papa rend cette chose, ils nous laisseront tranquilles? Je reviens dans pas longtemps. Merci. Harry est mort, Chambers est mort et cet enfoiré a disparu. Comment on va le retrouver maintenant? Je viens d'appeler les services secrets locaux, 2 flics. Vous allez mettre toute la ville au courant. Mais je leur fais confiance, j'ai besoin de 24 heures. Vous avez 24 heures, tenez-moi informé. N'en parlez à personne et ne vous plantez pas. Trying to hold the book up, but they can't stop it. I'm playing the G on probation, but you're raising a new creation. Take-
Ça, c'est la belle vie. Je suis pas d'humeur à rentrer dans ces considérations. Oui, je vois. Toi et ton copain russe, je crois que vous allez adorer. Ça dépend de ce que tu m'offres. Il y a ce que tu as perdu, nous l'avons retrouvé. Je commence à perdre ma putain de patience. L'Américain qui a disparu est toujours en vie. Alors ça y est, vous l'avez attrapé. Non. Quand on le coincera, l'objet que tout le monde recherche ira naturellement au plus offrant. La nationalité n'a aucune importance. Потанцуй. Почему? Какая разница, от кого мы это достанем? Пока нам в этом помогают американцы, понятно? Их должны были давно убрать. Уберем. Подумай. Он здесь, из-за своей дочки. А нас на нее выведет таксистка. Танцуй! Ça va, monsieur ? Je voudrais que vous m'emmeniez dans un endroit où je peux trouver de la drogue et des femmes. Je connais un endroit qui va vous plaire. Alors ça roule. Vous allez m'attendre ici, je reviens dans une minute. Vous bougez pas, vous restez là. Vous savez où je peux en trouver? Je voudrais faire la fête. Vous avez besoin d'aide? Je voudrais savoir où je peux trouver un peu de ce truc, comme je dois aller à une fête. Vous avez du pognon? J'ai beaucoup de pognon. Venez avec moi. J'ai entendu dire qu'il y avait de très belles filles ici, et j'ai envie de m'amuser. Alors... Pourquoi il porte ce masque? Ah, il a eu un petit accident en allumant son bang. Il fait fuir les filles avec sa gueule. C'est drôle. Voilà, je voulais me procurer un peu de drogue, mais... En fait, je suis contre les drogues illégales et je me demandais si je pouvais avoir une ordonnance. Tu m'appelles tout à l'heure? Ouais, plus tard. Je vais te dire, je suis pas du genre à perdre mon temps avec un putain d'Américain qui a envie de déconner. Vous n'aimez pas l'humour américain, à ce que je vois? Pitié, t'as aucune cible. Tant mieux.
Il y a eu des coups de feu. Non. Ils avaient mis la musique à fond. D'accord. Vous pouvez démarrer. Je cherche une femme. Elle aussi a conduit un taxi. C'est une berline bleue, elle est blonde et plutôt jolie. Vous avez une idée? Peut-être bien. Et si je vous donne suffisamment de fric, il y a un tas de choses qui vont vous revenir? Ouais. Feriez mieux de m'emmener directement à elle. D'accord. Asta cine crede că e? Bon, comme je suis généreux, je vais te donner tout ça. Tu pourras acheter une maison à ta vieille mère. Ah, merci. Băi, îl am pe american. Mhm. Cât? On a retrouvé l'américain. Un chauffeur de taxi a appelé, il l'a déposé au Lido. Envoyez deux unités sur place. Je vous écoute. J'ai intercepté un message de la police sur leur canal. Un taxi l'a déposé au Lido. J'ai une femme chauffeur de taxi, elle s'appelle Anya, vous la connaissez? Non. Non? Surveillez toutes les sorties. Allez, dépêchez-vous, de l'autre côté. Allez, on y va. Je suis d'accord. Elle a fait ce que je dis. Ouais, mais c'est dur. Allez, tout le monde dehors. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Non, mais c'est pas croyable. J'avais supposé que vous m'attendriez à l'extérieur. Vous devez être désespéré. Je le suis complètement. Et vous savez pourquoi? Ma fille a été kidnappée. Et vous tenez beaucoup à elle? Oui, je tiens beaucoup à elle. Elle vaut plus que ma vie et la vôtre. Si j'accepte de vous aider, j'ai bien dit si j'accepte, je veux ce qu'Harry m'avait promis. Je veux avoir un passeport américain et je veux qu'on me laisse aller aux États-Unis. Je serais ravi de le faire. Mais je le ferai pour ma fille, pas pour vous. Je vais y penser. Vous allez y penser. D'accord, alors pensez-y tout de suite. Venez dehors, on va parler. Toi de là, toi. Ah, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Hé, hey, oh, ça va, j'ai rien fait. Je cherche un Américain. Balaye pas, ne me touche pas. Pas beaucoup de temps. Alors, il faut me dire tout de suite ce que je veux savoir. Je suis pressé. J'ai pas l'intention de vous dire quoi que ce soit. Pourtant, c'est ce que vous allez faire. Si vous refusez, je vous tue. Vous le ferez pas. Je vais me gêner.
Non. Vous, vous n'êtes pas comme eux. Je crois que vous vous trompez. Vous, vous n'êtes pas comme eux. Moi, je leur ressemble un peu. Mais en beaucoup plus méchant. Va te faire foutre. Y'a rien de ce côté, on va aller par là. Allez. J'en fais mon affaire. Un citoyen américain. Si vous le trouvez, il est à nous. Désolé, mais ce n'est pas si simple. Il vient chercher par la police, maintenant. Il est sous la protection de l'ambassade. Même quelqu'un comme vous a entendu parler de l'immunité diplomatique. Tu veux danser? Dégage. En mer. Il est à nous. Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut payer. Alors maintenant, cassez-vous d'ici. Dépêchez-vous, rappelez-vous-en, on s'en va. Cupide et stupide. Que tu devais nous l'amener. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Vas-y, parle. Où est sa fille? Quelque part en lieu sûr. T'as même pas de couilles, du con. Pocket? Maintenant, tu vas parler. L'Américain, où est-ce que tu l'as envoyé? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas... Quoi? Il est parti baiser ta mère. Посмотри наверх, он где-то. Tot, vreau să știu tot. Lume, numere și ce tampoane poartă pista asta. Lume, numere. Și...
Ce que vous avez dit pour mon passeport américain, vous le pensiez ? Écoutez, je vais vous parler franchement. Ça n'a rien à voir avec vous. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Elle est ce que j'ai de plus cher au monde. Et je ferai n'importe quoi pour la récupérer. Vous avez dit que vous étiez prête à me rendre ma fille. Ça aurait peut-être été plus simple pour vous de la livrer à la mafia russe. Vous oubliez une chose. Je dois aussi me préoccuper de mon avenir. Et eux ne pourront jamais me donner ce que je veux. Ils se sont servis de votre fille pour arriver à leur fin. Et moi, je veux les mettre hors circuit. Je m'en fiche de tout ça. Je veux récupérer ma fille. Je me fiche de vos histoires. Ayez confiance en moi. On a le temps pour ça. C'est encore un peu tôt. Bun, hai să mergem. Pune doamna mea la ușă, poate se întoarce timpul de aia. Dacă se întâmplă ceva, mă sunați. Madame l'ambassadeur... On dirait que la situation vous échappe. Ça ira, je tiendrai le coup. Vous avez l'air fatigué. Quand tout sera réglé, je prendrai 2 semaines de vacances. J'irai sur une île, profiter du soleil. Si vous voulez, je peux vous aider à prendre vos vacances plus tôt. Allons, madame. Je n'ai jamais abandonné une affaire en cours dans toute ma carrière. Combien de temps ? 2 jours. Peut-être un seul. Vous feriez bien de me tenir informé. La prochaine fois que vous aurez un problème, j'aimerais en être averti dans la seconde où vous le paierez très cher. Auzi? Nu ne plătesc destul pentru căcatul ăsta. Da. Cred că mă duc să mă piș. Nu pot să mă duc în mijloc pe străzi. La ea e încă deschis. Unde duci? Să-i folosesc toaleta. Il y a les condés chez vous. Les quoi? Les flics. On passe par derrière. Bien, monsieur. Vous avez eu de la visite. Oh merde, les flics. Moi qui pensais que tous les taxis de Bucarest travaillaient pour la police. Je me demande ce qu'ils vous veulent. Vous savez, j'ai le pressentiment que ma fille est passée ici. Oui, c'est vrai, elle y était, mais je l'ai envoyée dans un endroit sûr. Vous allez m'amener à elle tout de suite, ou vous allez passer un mauvais moment. Écoutez, j'ai pas envie de me battre avec vous. J'ai des documents à récupérer, et après on va la chercher. Prenez vos affaires et on y va tout de suite. Les Saoudiens ont monté les enchères. Ils proposent 40 millions.
Tout le monde a peur que ce soit déjà dans la rue. Faites monter les enchères. Voyez avec les Russes. S'ils bougent, on sera sur le coup. Est-ce qu'on a des nouvelles de la fille, le chauffeur de taxi? Oui, vous aviez raison. À propos de quoi? Il y a quelques années, elle et son père ont travaillé pour nous. Nous avons une autre adresse. Trouvez-la-moi. C'est pas vrai. J'ai tué un flic, merde. On dirait que c'est la première fois. Il valait mieux que ça se passe comme ça. Vous savez... Quoi? Si vous l'aviez pas tué, elle aurait pas hésité à le faire. Vous n'en savez rien, c'est pas sûr. Maintenant, vous devez absolument m'aider. Apprenez à ne plus faire confiance à personne. Et restez toujours sur vos gardes. Aidez-moi à récupérer ma fille et je vous sors de là, je vous le promets. Je vais vous rendre votre fille. Où on est? C'est quoi cette maison? On a besoin de se reposer un peu. Hein. Besoin, ça fait du bien. Vous avez l'air d'être malheureuse. J'arrive pas à croire que j'ai tué une femme. Dans la vie, on fait ce qu'on a à faire. Vous n'avez pas l'air joyeux non plus. Je serai plus souriant quand j'aurai récupéré ma fille. Anya, je veux te dire quelque chose. Tu sais, à mon avis, tu fais en sorte que les gens te prennent pour une femme froide, sans émotion, sans cœur, une femme méchante. Mais moi, je te connais. Je lis dans ton cœur. T'es sensible et tu es douce. T'es attentionnée. T'es adorable. Et je te remercie. Viens dans mes bras. Ça va. Cherchez la fille. Je m'occupe de l'handicapé.
Ça m'est sur leur adresse, ça m'a évêqué. Oui, là-haut. Donne-moi ce que je cherche ou tu peux lui dire adieu. Du calme, reste où t'es. Et pose doucement ton flingue par terre. C'est moi, c'est Ulrich. Tiens, c'est pour toi. C'est qui? Ulrich, c'est le petit. Pourquoi est-ce que tu me déranges? Excusez-moi. J'ai un petit problème. Oh. Comment ça, monsieur le policier, un petit problème? Il faut qu'on se voit. Tiens, règle ça avec lui. Allô? Bon alors, où est-ce qu'on se voit? Au garage. Je serai au dernier étage. D'accord. Tu vois, George était très malin. Il savait que cet objet ne me quittait jamais. On dirait une sorte de stylo. J'ai jamais fait un truc pareil. Non, c'est juste un stylet, mais c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Qu'est-ce que c'est? C'est un nanoprocesseur qui a été encapsulé. Il est recouvert d'époxy. Et maintenant, si quelqu'un essaie de casser cette enveloppe ou bien de la dissoudre sans utiliser le bon produit, il détruira immédiatement toutes les informations du processeur d'un seul coup. Mais si une personne, bonne ou mauvaise, on ne peut jamais savoir, récupère ça en le mettant dans une boîte à pétri, avec la bonne combinaison chimique, elle récupérera toutes les informations. Et si jamais ça tombait entre de mauvaises mains? Pour tester l'efficacité du virus, s'il l'essaierait sur des humains, il y aurait beaucoup de morts. Rien n'est plus important que la vie. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus, toi et moi. Je veux que tu me trouves une cabine téléphonique dans un endroit isolé, mais pas trop près d'ici. Tu veux appeler qui? Eh bien, il me reste encore quelques relations au contre-espionnage, des vieux amis. Tu as dit que si ce virus se répandait, il y aurait beaucoup de morts. Ouais, c'est vrai. Mais ils n'auront pas ce qu'ils espèrent avoir. La vie est faite de plein de petits échanges. La vie n'est qu'un immense marché. Ils ont quelque chose qui m'intéresse, j'ai quelque chose qui les intéresse. Alors, on y va? Thank you.
Rogers, tu peux pénétrer le MK Ultra ? Plante-les pour de bon. Ça risque de prendre un peu de temps, mais c'est jouable. Qu'on était amis. C'est vrai! Oui, c'est vrai! J'étouffe. C'est Anya. Bonjour, Anya. Il a rendez-vous avec les Américains à la bibliothèque centrale. Quand? À 10h du mat. Pourquoi tu me racontes ça? Il a ce que tu recherches. Et j'ai besoin d'assurer mon avenir. Ta loyauté sera bien récompensée. Il a marché. Bien. Appelez l'hélico. Bloquez toutes les rues de la ville. Si on découvre où ils vont, on aura réglé cette histoire. Tu es bien sûr de savoir ce que tu fais ? Non, pas vraiment. Mais ça m'a jamais arrêté. Et toi, t'es sûr de vouloir venir ? Tu veux te débarrasser de moi ? Je veux pas me débarrasser de toi, c'est dangereux, alors je te demande si tu tiens à venir. Et comment ? J'ai pas envie de manquer ça. Alors c'est parti. Thank you.
Ça, c'est une surprise. Il y a beaucoup de monde qui vous cherche. À ce qui paraît, oui. Il n'y a pas que des gens bien dans le coin. Ils en ont tous après moi. Le département de recherche, c'est bien ça. Je les ai jamais aimés. Ça me rend malade de savoir que notre gouvernement emploie encore de tels moyens. C'est assez rare. Ça arrive pas souvent. Alors, si de votre côté, j'ai rien à craindre, tout va bien. Écoutez, Jack. Vraiment, je suis désolée que vous ayez été entraîné dans cette histoire. Je sais que vous avez quitté la partie, vous avez changé de vie. Je suis persuadée qu'Harry avait raison. Tout ce que vous voulez, c'est revoir votre fille. C'est tout. Oui, c'est tout. Je ne connais pas grand-chose sur la guerre bactériologique, mais je n'aime pas l'utilisation qu'on peut en faire. Quand j'ai trouvé ce nanoprocesseur, j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Alors je suis allé faire un tour. Pour le cacher. Il ne servira plus à personne. C'est ce que je voulais entendre. Comme je vous l'ai dit, vous n'aurez aucun problème avec mes hommes. Et si les autres vous attrapent, je ne pourrai rien pour vous. Il faudra vous débrouiller tout seul. Ça, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois qu'on me le dit. J'espère vous revoir. Oui? Jack a établi le contact. Il veut un rendez-vous. Il a dit qu'il avait ce que vous cherchiez. Où et quand? À la bibliothèque centrale, à 10h du matin. Il pense que vous avez sa fille. Tout ça est ridicule. Bien, on y sera. Vous aurez besoin d'aide? Non, on va s'arranger. Il faut pas lui faire peur. Ouais, c'est quoi? Écoute, j'ai pas vraiment le temps de m'amuser. T'as réussi? Non, pas encore. Mais t'inquiète pas, j'étais formé pour savoir comment ça fonctionne. Merde, c'est pas vrai. Tu peux me faire confiance. J'espère que tu dis vrai. Tu sais ce qui se passera si t'échoues. Accès refusé. C'est rigolé maintenant. Où est ma fille? Elle est en vie. Vous avez ce que je veux? Oui, mais vous ne l'aurez pas tant que j'aurai pas vu ma fille. Je veux qu'elle descende. Je ne crois pas, non. Je vous laisse une minute pour me donner la formule. Sinon, elle pourrait faire une chute mortelle. Le nanoprocesseur est là-dedans. Alors, je veux que ma fille descende. Je crois qu'on a fini notre boulot. Ne faites pas l'imbécile.
moi si je me trompe, mais je crois que chez vous, on appelle ça une impasse. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûrement très fort, mais avec ce flingue, vous n'en tuerez qu'un des deux. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez ce que vous avez. Je vais vous le donner. Et je vous donnerai mon arme, mais je veux être sûr que vous nous laisserez tranquille. C'est évident. Vous me laisserez partir dès que vous aurez la formule ? Oui. Sans lui ni en Harry, alors t'as fait le coursier. Et je savais que si Harry kidnappait ta fille, tu ferais un carnage. Ils ont passé tout leur temps et leur énergie à essayer de te maîtriser. La stratégie est bonne, mais ce genre de manipulation a le don de me mettre en colère. S'il te plaît, Jack, nous sommes tous les deux des grandes personnes, je pense. Nous sommes des espions. On est dans le même bain. À la seule différence que c'est moi qui gagne. Ne crie pas victoire trop tôt. Ce n'est pas encore fini. La chance peut tourner. Tout va si vite, n'est-ce pas? Et tu sais ce qu'on dit? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, s'il te plaît, Jack. Je te demande juste de me donner mon stylet. C'est autorisé. Ouais, je suis vraiment génial. T'as déclenché le compte à rebours ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Verrouillage des portes engagé. Procédure de verrouillage des portes engagée. Toutes les portes sont condamnées. Programme de sécurité activé. Ouvrez cette porte ! Ouvrez ! Allez, viens, viens ! 7. Ouvrez la porte ! 6. La porte ! 5, sortez-nous de là ! 4. 3. Ouvrez la porte ! 2. 1. On va dans le parc, on a rendez-vous là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Qui ? À ton avis. Papa ? Papa ! Ça va, ma belle ? Bien. C'est bien. C'est bien, mon ange. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, papa. C'est bien, mon ange. T'as été courageuse. C'est bien.
ravie d'avoir pu vous rendre service. Je vous l'avais promis. Merci, madame. C'est vrai, on en avait parlé. Ravi d'avoir pu t'aider. J'ai qu'une parole. Merci. C'est rien, et surtout fais bien attention à toi. Je le ferai. Toi aussi, fais attention à toi. Oui, Alia. On a eu des petits ennuis en Roumanie. Mais en fin de compte, on s'est bien amusé, hein, chérie? Oui. Je t'ai trouvée tellement courageuse que pour te remercier, j'ai voulu te faire un cadeau à la hauteur de ton courage. Si tu prends ce morceau de pomme dans ta main, que tu te lèves et que tu te retournes, tu verras ton cadeau. C'est pour toi. Pour moi? Il est magnifique.